finir de conclure l'autre. Vous l'aurez vu sûrement dans la vidéo d'hier. Je suis une boulette, moi, j'ai complètement oublié. Je me suis endormie comme si de rien n'était. Ah là là, t'as plus l'habitude. Non. Donc là, on est le troisième jour à Paris et on va tourner la vidéo qu'on doit présenter. Finalement, c'est bon. Enfin, faut qu'elle soit prête quand même, mais ouais. On peut la présenter en avant-première samedi au Video City et même dimanche. Donc les gens qui seront sur place, ils auront une vidéo qu'ils n'auront jamais vue. C'est bien, je trouve. Ben, ça met la pression encore plus parce qu'on n'a pas le temps de la filmer. On n'a pas le temps d'avoir les idées, mais on en prend quand même. Enfin, on se débrouille. Ouais, mais je pense qu'elle va être bien. Bon, ça y est, on est encore pas mal avancé et là on a retrouvé Laura, ma petite soeur, qui nous conduit tout directement dans le restaurant où nous allons. On a besoin encore de tourner une scène là-bas. On a besoin de manger, donc on va lier. Comment on dit? On va joindre l'utile à l'agréable. Même l'utile à l'utile, hein, d'ailleurs. Lolo, c'est où que tu nous amènes? C'est là. Oh, c'est mignon. Ça s'appelle Pure et c'est rue Saint-Fiacre. Rue Déjeuneur. Café, déjeuner, goûter. Et apparemment, il y a des jus de légumes. Restaurant, cocktail, plateau repas. Bah oui, je pense. Oh, c'est mignon. Il va forcément y avoir des trucs végés. Oh, c'est mignon. Bon, ça y est, on a bien mangé. Et on n'a pas pu vlogger à l'intérieur parce qu'il y avait du bruit de malade. Bien, tu nous as bien renseigné Lolo sur les endroits spéciaux, clichés. J'ai tout dit. Non, bah tu vas couper tout ça. Non, mais ça leur dit pas c'est quoi la vidéo. Bon, à tous Lolo alors. Ouais, bah je on se tient en vidéo. Bisous. Bon, là du coup, on a un peu de temps avant d'aller. Non, mais attends, on est perdu parce qu'elle nous a dit tout droit, mais il n'y a pas tout droit. Ah oui, c'est vrai, non, on continue tout droit tout à l'heure. Vers l'opéra, on va. Pardon ? Mais on sait pas où il est. Non, ça doit être par là, non ? Viens, on continue par là et après je mets le plan. Franchement, Karine, prends ton plan. Et du coup, on a rendez-vous avec. On a rendez-vous dans un salon Kérastase avec le coiffeur Kérastase, ouais. David Lucas, c'est ça ? Ouais. Et on a trop hâte d'avoir de beaux cheveux. On va se couper les tifs. Non, toi tu veux pas couper peut-être. Safia elle va se couper les cheveux. Mais pas beaucoup hein. Mais un peu quand même. Mais quand même, au moins 10 cm non? Je sais pas. On a dit pas les cheveux courts, mais on a dit on peut faire 10 cm. Je sais pas. Bon, vous verrez tout à l'heure. Bon, ben, on voulait voir la place Vendôme, mais elle a vraisemblablement perdu toute sa beauté. Elle est en travaux. Ils ont flagrant délit d'instagrammage. Ça y est, t'es contente? J'étais en train de réfléchir au hashtag I have this non, thing with floor. Mais ça existe avec les portes aussi. Ah bon? Oui, je l'ai vu ce hashtag avec les portes. Ah, mais moi je préfère les portes que les sols. Hein. Ah oui. Ah, ça rend pas trop justice. C'est hyper beau le... Le jardin des Tuileries. C'est bucolique. Ouais. On est en train d'aller au Louvre. On fait les touristes, hein, ça carrément. On voit la tour Eiffel. Que le Louvre, à chaque fois, j'y suis jamais allée. Enfin, j'avais été dans le musée carrément quand j'étais petite, mais je devais avoir 11 ans. Du coup, je m'en rappelle pas. Je crois qu'on oublie tous les souvenirs en dessous de 12 ans, moi. Ah bon? Ouais. Mais ça, après, c'est des vieux souvenirs que tu crois que tu les as. Ah non, moi je me rappelle la première fois que je suis allée à Disneyland Paris. Ouais, il y a des trucs comme ça qui te marquent. Ouais. Moi, le Louvre, ça me marque. Je me rappelle la petite, toute petite Mona Lisa là. Ah oui, que tu crois que c'est un tableau immense, mais en fait, non. Non, il est tout petit. C'est comme ton pisseur là. Ah oui, le mannequin pisseur. Ah, regarde aussi ton blagues. Ah non, ouais, c'est juste des chinois qui se prennent en photo. Bon, on va aller vous montrer ça de plus près. On vous présente le Louvre si jamais vous l'avez jamais vu. En photo ou en vidéo. Mais. C'est fort beau. On est arrivé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas, mais il y en a un. Ça a l'air long, les rideaux de la grand-mère. Et du coup là on a coupé.
Ouais. Et ça fait du bien. Et t'as des belles boucles aussi. Oui, ils m'ont fait des belles boucles. Moi aussi, j'ai fait des boucles. Une bonne régulation. Et le secret de la coiffure ici, c'est la tête en bas et tout se coupe. Et tout se coupe. Et là, voilà. C'est magnifique. Et après, t'as du volume et c'était content. Ouais. Alors ça, c'est le sang qu'on a fait aujourd'hui. T'as fait quoi, toi, Safia? J'ai fait nutrition et densité, je pense. Mais non, tu mélanges ça avec un autre. Ah oui, c'est ces deux-là. Oui, t'as fait nutrition. On mélange. Et mélanger avec densité. Oui, voilà. En fait, t'as eu ton petit concentré de nutrition et que t'es venu booster avec ton booster brillance. Oui, c'est ça. En fait, d'accord. Tu vois, regarde, ça marche comme ça. Hop, tu le mets et tu vas voir les petites bulles qui remontent. Hop, yes! Youh! Moi, j'ai fait celui-là. Surtout nutrition et un peu quoi? Je crois que c'était celui-là. Brillance. T'as fait, nutrition, alors, du coup, brillance. Tu vas avoir nutrition. Booster avec la brillance, c'est celui-là. Parce que c'est voilà. Ah bah voilà. C'est fini, mais il y en a beaucoup qui ont besoin du même que moi, je crois. Et du coup, ça, c'est ça se trouve dans tous les salons Kérastase, ouais, c'est dose. Et voilà, là, ça. Le booster, il est en 5 minutes, le soin, il prend et c'est terminé, quoi. C'était hyper rapide, hein. Le temps de l'heure, moi, j'avais l'impression, moi. Ouais, c'était très bien. Et donc c'est tout ça qui est réparti sur les cheveux, quoi. Ça dure juste 5 minutes de pause. Et pendant ce temps-là, il y a un bon petit massage. Update, on est rentré chez Laura après le coiffeur. On est rentré directement parce que Safia est en train de commencer le montage de la vidéo que vous verrez vous dimanche sur YouTube, mais qui va sortir. Ah, je brille de mille feux là. Qui va sortir en avant-première samedi au Video City. On vous l'a déjà dit 150 000 fois, mais du coup. On radote quoi, on aime bien. Elles sont belles les images. Non, mais on a une nouvelle caméra, c'est la folie furieuse. J'espère que vous allez bien aimer. Et du coup voilà, on commence le montage. Et il est 6h et il fait nuit noire. Bon, ça y est, on a bien avancé le montage. Et j'ai retrouvé Lolo Titi qui a fini le travail. Et là on attend notre hub pour aller à Plaine des Jeux de Bagatelle. On va voir le ciel du soleil, c'est ça? Et c'est la première fois qu'ils font le spectacle. Première représentation. De leur nouveau spectacle, le Cirque du Soleil, c'est des acrobates et tout. Et du coup on avait trop envie d'aller le voir avec Lolo. Donc on y va, on va à la soirée cocktail dînatoire qui est juste avant. Et ensuite on va voir le spectacle. Mais c'est un peu à l'autre bout de Paris et il pleut. Mais bon. Oh, il pleut, il pleut. Ouais, il pleut vite. C'est sublime, il y a plein de numéros hyper différents quoi, il n'y en a pas un qui est la même chose que l'autre. C'est magnifique. Ah ouais, top. Moi je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas terminé le vlog. En fait je crois que ça s'est arrêté un peu comme un cheveu sur la soupe quand on attendait le beurre, parce qu'on a vraiment galéré à le retrouver. En fait quand c'est dans les endroits comme ça, les salles de spectacle et tout, c'est trop chaud pour retrouver un endroit parce qu'il n'y a pas
le nom de la rue, enfin tu sais, le numéro de la maison et tout. Et du coup, pendant que j'étais en train de galérer à parler au chauffeur et tout, Laurel s'agitait devant moi et dit « Mais regarde, regarde à droite !» Et là, je regarde, il y avait Didier Bourdon juste à côté. Et moi, j'étais avec le chauffeur et je lui fais un grand sourire. Et moi, enfin, je l'aurais vu, j'aurais pas été au téléphone, on aurait fait des blagues. Mais c'est sûr. On aurait trop rigolé. Enfin, franchement, j'adore cet acteur et tout. Il y avait Lolo, elle me dit, il y avait Jules Cissé aussi juste à côté. Moi, je l'ai pas vu. J'ai croisé Amivie aussi juste à la sortie du spectacle et tout, c'était trop sympa, elle était avec son mari et son fils et tout, c'était trop sympa, je m'y attendais pas du tout. Enfin bref, c'était vraiment super sympa cette soirée, et je dis beaucoup zibar zamba. Et voilà, on vous retrouve demain dans un prochain vlog, j'espère que les vlogs à Paris vous plaisent, mais en tout cas ça nous fait trop plaisir, on vit des trucs de ouf malade qu'on vit pas d'habitude parce qu'on n'habite pas à Paris, mais c'est cool, hein. Yes. Plein de bisous!